Alors, bah, les petits moments avant les matchs, c'est privilégié parce que bon, alors moi, j'aime avoir un peu quelques informations sur mon adversaire. Voilà, je regarde un petit peu des vidéos si j'en ai sur mon adversaire. Le contrôle des balles, c'est bon, quelque chose que moi qui me tient à cœur parce que je suis un petit peu un traqué, on va dire, des balles. Il faut qu'elles soient très rondes et très dures. Moi je prends mon temps, c'est quelque chose qui est assez important pour moi, donc j'y prends le temps. Et puis voilà, après je vais dans les vestiaires tout seul, je vais écouter ma musique, préparer, me changer, et puis voilà. Je crois qu'avant un match comme ça, une entrée dans un championnat de France, il y a un petit peu de tension, donc c'est important de tout mettre en œuvre pour que le joueur se sente bien. Ce matin, par exemple, je vais lâcher des petites bananes pour Simon parce que c'est un peu son péché mignon et il a besoin d'avoir cette banane là pendant les matchs s'il a un petit coup de moins. Et puis, il n'y a pas de toc, il n'y a pas de trouble obsessionnel du comportement, rien de particulier. Il y a une certaine connivence qu'on a ensemble, une certaine confiance et on a des échanges assez réguliers par rapport à ça. Il y a une balle que tu n'as pas essayé du tout, alors je sais qu'il t'excente beaucoup, c'est dur, mais si tu peux aller lui tendre dans son plein coup droit ou même un banana dans son plein coup droit, ça serait intéressant parce que tu vas le déstabiliser dans son jeu. Bah le banana, c'est pas les bananes que je mange entre les sets. Hein. C'est en fait depuis que je me suis expatrié en Allemagne et qu'on a les exos en anglais, banana signifie le flip du revers, la virgule du revers, je sais pas comment on appelle ça en France, mais je me rappelle plus en fait. Donc du coup on a gardé ce terme avec JR et bon là ça nous va bien. Bah, bilan de la journée bah, positif, hein, puisque je suis en demi-finale. Très content d'avoir pu négocier de cette manière mes matchs aujourd'hui. Voilà, on pourrait dire que j'ai eu un tableau facile, puisque je n'ai pas joué une seule tête de série pour le moment. Mais voilà, si Joey Seyfried a battu aujourd'hui Stéphane Wesch, s'il a battu Andrea Landrieux, c'est pas pour rien, ça veut dire qu'il était sûrement meilleur qu'eux aujourd'hui. Donc voilà, très heureux. Première médaille depuis 2014. On prend tout, hein. C'est pas parce qu'on était serré numéro 1 que tout est facile. Même une médaille, on prend.